Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée. Comment utiliser le robot pour passer des challenges pour trader sur des comptes propres? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un compte propre, c'est tout simplement le fait de trader avec un capital qui n'est pas le vôtre. Vous allez trader avec le capital du courtier lui-même. Le courtier par excellence pour le trading en compte propre, c'est MyForex Funds. Je ne suis pas affilié à leur site, donc je vous recommande ce site tout simplement parce que je l'aime bien et parce que ben, c'est le site de référence, hein. Il n'y en a pas 36 000 de toute façon pour le trading en compte propre. Et l'avantage avec MyForex Fund, c'est que vous allez pouvoir trader même si vous vivez dans des pays qui sont généralement refusés par la plupart des courtiers traditionnels. Le deuxième avantage, c'est le plus gros avantage d'ailleurs, c'est que vous allez pouvoir trader avec leur capital. Ils ont un très gros capital et vous allez percevoir ces revenus du coup tous les mois ou toutes les 2 semaines. Ça sera à vous de voir. Ils vont vous payer soit par virement bancaire, soit par crypto-monnaie. C'est vous qui allez décider. Mais il y a des règles à respecter pour ne pas se faire éjecter du coup de MyForex Fund. Voilà, donc au niveau du drawdown, vous ne devez absolument pas dépasser 5% de votre capital par jour au niveau du drawdown. Ok, si vous dépassez ces 5%, ben vous allez vous faire éjecter. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir passer chaque challenge, puisque à chaque fois que vous allez réussir, que vous allez montrer vos preuves, vous allez monter en gamme. Et quand vous montez en gamme, ben vous allez pouvoir trader avec des sommes plus élevées et percevoir également plus de revenus. Au début, dans la phase 1, vous allez toucher 2% des profits que vous allez générer, mais ensuite, vous allez pouvoir générer 4% des profits en phase 2. Et en phase 2, vous aurez également un compte plus élevé, d'accord? Donc le but vraiment, c'est d'être profitable, d'être rentable, puisque vous allez trader avec de l'argent réel, mais qui n'est pas le vôtre, et l'argent de la compagnie, et ils ne veulent pas de personnes qui fassent n'importe quoi avec cet argent. C'est la raison pour laquelle ils ont fixé comme règle au niveau du drawdown de ne pas dépasser les 5%. Alors comment ne pas dépasser ces 5% avec le robot? Ça va être très simple. Alors déjà, je vous confirme que oui, vous pouvez trader sur un compte propre avec un robot, puisque comme vous voyez marqué ici, Expert Advisor and Robot Usage, ils autorisent du coup l'utilisation des robots de trading et des Expert Advisor. Donc pour ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'ai plusieurs clients qui utilisent notre robot Magic Freecom pour leur compte propre. Et comment font-ils? C'est très simple. Alors évidemment, dans un premier temps, il va falloir créer un compte. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez pouvoir ouvrir un compte. Vous cliquez ici sur Start Now. Et ensuite, vous choisissez un compte. Donc ça peut être un compte rapide pour découvrir un petit peu comment ça se passe. Vous avez le compte évaluation et vous avez le compte accéléré. Évidemment, l'accès à ces comptes n'est pas gratuit. Si vous cliquez par exemple ici sur le compte évaluation, donc là on arrive sur la page de présentation. Ici on voit les règles à respecter pour ne pas se faire éjecter. Donc comme je vous expliquais, 5% de drawdown maximum par jour à ne pas dépasser, 12% de drawdown, je crois que ça c'est sur le mois, à ne pas dépasser. Et ensuite, pour finir la phase 1, vous devrez atteindre 8% de profit. Dès que ces 8% est atteint, vous allez boucler du coup cette phase 1 et vous allez passer ensuite en phase 2 où on va vous demander d'atteindre 5% de profit. Vous devez trader au minimum 5 jours, d'accord? À partir de là, vous allez toucher du coup 75% des profits que vous allez réaliser. Ensuite, ça sera 80% des profits que vous allez réaliser. Si vous voulez trader avec un compte de 5 000 dollars, vous allez devoir débourser 49 dollars. Ou alors, vous pouvez trader avec 10 000 euros, mais pour ça, il va falloir débourser 84 euros de frais pour créer votre compte. Et plus le montant du compte à trader sera élevé, plus évidemment le montant des frais sera élevé. Ici, vous avez le compte suprême à 300 000 dollars, mais le montant des frais est de 1389 euros. Ok, évidemment, quand ça se passe bien, les frais vont être remboursés. Donc, si vous passez de phase en phase, ben, en fait, les frais que vous avez payés au début vont vous être remboursés en même temps
que vous allez toucher vos gains. Donc c'est vraiment intéressant, c'est une manière de gagner pas mal de sous avec un investissement minime, mais il faut à tout prix respecter les règles qui sont imposées par MyForexFund pour ne pas se faire éjecter. Ok, alors comment ça va se faire? C'est très simple, le plus important ici, c'est de ne pas dépasser les drawdowns. C'est aussi simple que ça, ne pas dépasser les drawdowns et vous allez atteindre tranquillement vos 8% ou vos 5%. Alors pour ça, c'est très simple. Une fois que vous avez créé votre compte MyForexFund, vous allez ensuite télécharger MetaTrader 4 depuis MyForexFund. Donc pour ça, vous tapez sur internet MyForexFund MT4. Ok, et là vous allez pouvoir télécharger votre MetaTrader 4 ou votre MetaTrader 5 et ensuite connecter votre compte. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite sur votre MetaTrader et là on voit que le bot il est en train de tourner, il vient d'ouvrir, enfin il a ouvert un trade, un short sur le gold. Donc c'est bien, comme ça on voit ce que ça va donner. Là on est un peu dans le négatif puisque le point d'entrée il est juste là, le point d'entrée il est juste là. Donc à voir ce que ça donne. On peut avoir des gains comme on peut avoir des pertes. L'important c'est de contrôler ses pertes. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais avec la nouvelle mise à jour, vous allez fonctionner au pourcentage de risque par rapport à votre capital total et non pas en lot. Parce que quand vous fonctionnez en lot, et bien malheureusement, vous n'avez pas le contrôle sur vos pertes. Admettons que vous mettez un lot sur un trade. Si le trade il est perdant, vous pouvez perdre bien plus qu'un lot. Un lot de mise, ça ne signifie pas un lot de risque. Il faut à tout prix contrôler ses pertes, surtout si vous êtes sur un compte propre. C'est la raison pour laquelle la mise à jour que j'ai faite sur le bot fonctionne au pourcentage. Donc ici, j'ai mis 0,10%. Pourquoi? Parce que sur un compte propre, il ne faut absolument pas dépasser un certain drawdown. Okay? Et pour être sûr de ne pas dépasser ce drawdown, il vaut mieux mettre un pourcentage qui soit relativement faible. Par défaut, quand vous prenez le bot, vous aurez un pourcentage de 1%. Ça signifie que chaque trade que vous allez passer va vous faire prendre un risque de 1%. Donc si le trade il est perdant, vous perdrez aux alentours des 1% de votre capital. Ok, donc ce n'est pas énorme. Effectivement, 1% de perte sur une journée, ben, c'est toujours moins que 5%. Mais juste pour être tranquille, moi j'aime bien mettre un faible pourcentage. Donc ça peut être 0,10%, mais vous pouvez mettre 0,5%, c'est tout aussi bien. Avec ce genre de chiffres, ben non seulement vous allez tranquillement atteindre vos objectifs, mais surtout vous n'aurez jamais aucun problème avec MyForexFund. Vous n'aurez aucun problème de drawdown. Vous pouvez également trader EURUSD, c'est l'APR que je recommande pour appliquer le bot. Je rappelle que les euros que vous allez gagner sur EURUSD ont la même valeur que les euros que vous pouvez gagner sur d'autres actifs. Voilà, donc là, par exemple, j'installe le bot sur EURUSD. Vous voyez que par défaut, on a du 1% ici. Je vais mettre 0,5%. Le bot, il va fonctionner 24 heures sur 24. Comme vous voyez, il fonctionne de minuit 10 à 23h59. Hop. Le smiley, il est bien souriant. Pensez à bien activer le mode auto-trading. Puisque s'il n'est pas activé, vous voyez que le smiley, il est triste. Donc, il faut bien le mettre en souriant. Là, si je fais du coup un backtest qui remonte du coup depuis le 1er août, par exemple. Je fais du coup valeur initiale. Voilà, donc là, j'obtiens du coup 168 euros de gain. Avec un drawdown total de 6%. On est donc bien loin ici des 12% ou des 5% journaliers qu'on vous demande. Ici, on atteint un drawdown maximum de 6% tout en générant des gains intéressants. On est à 168 euros de gains. Vous voyez bien entendu qu'au niveau des pertes, les pertes restent contrôlées.
Vous perdez environ ici donc une vingtaine d'euros sur chaque trade perdant, mais vous gagnez beaucoup plus que ce que vous perdez. Vous voyez ici on gagne 28 euros, ici on gagne 50 euros, ici on a gagné 26 euros, ici on a gagné 56 euros. On gagne toujours en moyenne deux fois, trois fois, voire quatre fois plus que ce qu'on perd. Et on sait exactement combien on va perdre, c'est-à-dire ben, le pourcentage qu'on a mis. On va jamais perdre plus que le pourcentage qu'on a mis. Ça fonctionne proportionnellement au pourcentage au moment, à l'instant T où le bot va prendre son trade. Donc si vous avez 11 000 euros, ben, il va prendre 1% des 11 000 euros. Si vous avez 15 000 euros, il va prendre 1% des 15 000 euros. Quand vous perdez un peu, ben, ça va prendre moins. Quand vous gagnez, ça va prendre plus. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai mis du coup 0,2%. Et avec ça, je suis tranquille. Je fais des gains tranquillement. Et une fois que j'aurai atteint les 8%, eh ben, je vais pouvoir passer. Et là, du coup, si je me mets en fin de mois, je me mets en fin de mois. Et là, si on va dans les résultats, on voit que on termine le mois avec 440 euros de gains. Donc 10 440 euros au total. Et tout ça avec ici un pourcentage de risque de 0,4%. Donc grâce à ça, non seulement vous atteignez vos objectifs, mais surtout vous évitez de vous faire éjecter avec un drawdown qui peut être trop élevé. Évidemment, s'il n'avait pas ces règles de drawdown, vous auriez pu gagner beaucoup plus, mais ce n'est pas grave. On ne va pas être trop pressé. On va simplement laisser le robot faire son travail. Évidemment, vous pouvez diminuer le pourcentage ou l'augmenter légèrement, mais ne dépassez pas les 1% si vous êtes en compte propre. Ok? Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. C'était simplement pour vous montrer comment trader efficacement sur un compte propre avec le Magic Freecom. Il va fonctionner 24 heures sur 24. Il faut juste lui indiquer le pourcentage de risque que vous voulez prendre par trade et ensuite vous laissez le robot tourner. Petite précision, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est très important. Les réglages ici, par défaut, sont les réglages pour Euro-USD. Donc, idéalement, mettez le robot sur Euro-USD. Si toutefois vous voulez trader sur une autre paire comme le Gold ou autre, contactez-moi pour connaître les bons réglages. Mais concrètement, je vous conseille d'aller sur Euro-USD. Ça ne sert à rien en vrai de vouloir absolument mettre le bot sur un autre actif, puisque l'argent que vous allez gagner avec Euro-USD aura exactement la même valeur que sur n'importe quel autre actif. Donc pourquoi snober Euro-USD? Allez sur Euro-USD. Le bot, il fait le travail tout seul. Vous n'avez rien à faire. Laissez-le simplement travailler avec sa configuration par défaut. D'accord? Ne tentez pas le diable en allant sur des paires exotiques parce que vous aimez bien. Allez au plus simple, Euro-USD. Assurez-vous que AutoTrading soit bien activé et laissez le bot faire son travail. Si vous voulez trader le gold, les réglages vont être différents. Vous voyez ici, on est à 150 pips sur les take profit et 10 pips sur les stop loss. D'accord? Sur Euro-USD, on est, comme vous avez vu, sur du 20 pips, puisque en fonction des actifs, les pips n'ont pas la même valeur. Un mouvement de 20 pips sur Euro-USD, ça n'a rien à voir avec un mouvement de 20 pips sur le gold. Ok? Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je laisse le bot faire des profits pour moi en automatique. Là, je suis déjà à 185 euros de profit. Donc, je laisse tourner jusqu'à ce qu'il décide de couper. Et pour ceux qui ont déjà acheté le Magic Freecom et qui n'ont toujours pas reçu la dernière mise à jour, donc le V3.4, contactez-moi directement sur Telegram pour recevoir la mise à jour. Pour les autres, je vous invite à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage des conseils, des astuces, ainsi que les résultats obtenus par les clients avec le Magic Freecom Bot. Si vous avez des questions, ben vous avez mon contact ici. Je suis joignable H24, donc n'hésitez pas, je réponds à toutes vos questions. Si vous souhaitez acquérir le bot, vous avez le lien sur le canal Telegram. Vous avez également le lien en description de cette vidéo. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt!